Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'investissement locatif et l'irrationalité complète des gens, des futurs investisseurs ou des investisseurs en matière d'immobilier locatif. Je vais prendre une situation passée. On va remonter très loin, on va remonter dans le lointain 1997. En 1997, le marché immobilier était complètement atone en France. Les biens avaient chuté d'une valeur d'environ 40% entre 91 et fin 96 et on était complètement au creux de la vague. En 1997, pour vous donner un ordre d'idée, un appartement à Lille dans un quartier correct, je précise correct, ou plutôt cossu de Lille, pour un 40 mètres carrés, donc un type 2, en bon état dans une résidence correcte, à un étage, pas un rez-de-chaussée, coûtait environ, si je le retranscris en euros, pour un 40 mètres carrés, 30 000 euros. D'accord ? 30 000 euros, frais de notaire inclus. À 30 000 euros, il n'y avait pas d'amateur. Il n'y avait aucun amateur. Pour être juste et corriger ces 30 000 euros, il correspondrait aujourd'hui à une somme corrigée de l'inflation à 50 000 euros. Donc c'est comme si aujourd'hui, un appartement à Lille, en bon état dans un quartier correct de 40 mètres carrés, ne trouvait aucun amateur à 50 000 euros. On sait bien que c'est impossible. Ce type d'appartement aujourd'hui, malgré la crise que l'on traverse dans l'immobilier, frais de notaire compris, 40 mètres carrés à Lille dans un quartier correct, se négocierait au bas mot à 140 000 euros, vraiment en faisant une super affaire. 130 000 euros plus 10 000 euros de frais de notaire, donc 140 000 euros. Donc je reprends mon exemple, en 1997, corrigé de l'inflation, cet appartement à 50 000 euros, il n'y avait personne, il restait des mois et des mois, sans rien, sans preneur. Et aujourd'hui, à 140 000 euros, frais de notaire compris, 130 000 plus 10 000 euros de frais de notaire, il est vendu en moins de 48 heures, avec plusieurs propositions. Alors, comment expliquer ça ? Tout simplement, le souci avec l'immobilier locatif, c'est que les gens sont restés sur les performances passées. Ils pensent que comme ça a flambé les dernières décennies, les 25 dernières années, ça va continuer aujourd'hui. Et le souci avec ça, c'est qu'en fait, quand vous achetez cet appartement dans la même résidence 27 ans plus tard, puisqu'il s'est passé 27 ans entre 97 et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'immeuble s'est détérioré de 27 ans supplémentaires, les communs. Même si l'appartement, j'imagine, a été refait entièrement sur les 27 années, encore heureux. On ne peut pas laisser un logement locatif 27 ans sans y toucher. Il serait complètement détruit. Et la chose aussi, c'est qu'il y a 27 ans, si vous preniez l'ensemble des taxes foncières, assurance logement, assurance impayée, prélèvements sociaux, impôts sur revenus, ça devait peut-être représenter 6 mois de loyer. D'accord ? Vous étiez amputé de 6 mois de loyer. Aujourd'hui, vous êtes amputé au bas mot de 8 mois de loyer par an sur 12. Donc la fiscalité a explosé. Et donc tout ça pour vous faire comprendre qu'il faut éviter de suivre le troupeau. Parce qu'il y a un vieux dicton qui dit « l'homme régresse quand il suit le troupeau ». Gardez bien ça en tête. Et ce dicton s'applique fortement à l'immobilier locatif. Donc avant de faire un investissement dans le locatif, regardez bien les prix d'il y a 25 ans. Au creux de la vague, corrigez-les de l'inflation, donc vous pouvez même les doubler ces prix, il n'y a pas eu 100% d'inflation, mais vous pouvez même les doubler, et vous verrez si c'est un bon investissement. Voilà. Et vous allez avoir la réponse à 99% de chances que ce soit non. Donc vous avez la réponse, donc n'oubliez pas ça, lorsque vous voulez faire un investissement locatif, n'écoutez pas les autres perdent de l'argent. N'oubliez jamais ça avec l'immobilier locatif, 95% des gens perdent de l'argent. Donc n'écoutez pas les perdants, et il y a un autre dicton que j'aime bien dire, il vaut mieux aller à la plage que de faire une mauvaise affaire. D'accord ? Donc, ne signez pas quelque chose qui est surcoté. Voilà, c'est le message un peu coup de gueule d'aujourd'hui. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao !